Que je m'appelle Romain Hugo, j'ai 28 ans et je suis dessinateur de bande dessinée aéronautique. J'ai tout le temps dessiné depuis que je suis tout petit. Et j'ai fait des études standards, un bac S normal. Et par contre, j'avais toujours dans l'idée de dessiner. J'ai vraiment hésité entre l'aviation et le dessin. Et donc avant le bac, je ne savais pas si j'allais faire pilote professionnel et garder le dessin pour rigoler comme ça, ou le contraire, parce que j'avais déjà mon brevet de pilote. Donc finalement, j'ai choisi de faire du dessin, qui était vraiment ma passion première. Et j'ai mixé les deux passions, parce que maintenant, je fais du dessin d'avion. En fait, pourquoi cette période dans mes BD? Alors c'est vrai que je commence à déjà voir sur les forums, on me catalogue un petit peu. Ah, Romain, c'est celui qui fait les BD sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, j'aime vraiment toutes les aviations. Moi, même faire un vol en avion de ligne Paris-Marseille, je suis déjà passionné parce que je suis en l'air et que je regarde comment ça se passe, etc. En fait, mes BD partent toujours d'une envie de dessiner un type d'appareil. Je vois sur Au-delà du nuage, tome 1, c'était les avions de course mythiques des années 30. Ils sont magnifiques, c'est des vraies bêtes de course. Je pars vraiment toujours de l'envie de dessiner tel avion et telle période. L'idée au-delà du nuage tome 1, c'était des raceurs, donc des avions polis, avec des finitions miroirs, des trucs super beaux. Et des pilotes dandy en costard, années 30, avec des belles caisses. Enfin, vraiment faire tout ce qu'il y a autour aussi. C'est pas qu'une BD d'aviation. Dans le Dernier Nuage, il y a deux personnages. Il y a un personnage américain qui est justement un peu star, un peu à la Clark Gable, avec la petite moustache et les cigarillos. Et par contre, le pilote français est beaucoup plus introverti. Donc on voulait vraiment jouer avec la psychologie des deux personnages. Concernant les personnages pour le Grand-Duc, on est parti sur un axe avec deux personnages principaux. Un pilote allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et une pilote russe, qui était aussi pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le pilote allemand, on s'est basé sur un personnage réel qui s'appelait Ernst Schäfer, qui était un pilote allemand, mais anti-nazi. Son père avait été interné parce qu'il était anti-nazi, donc du coup il avait un peu une dent contre le régime. Mais bon, comme c'était un excellent pilote, ça passait. Et pour montrer un petit peu sa différence, en fait, il avait refusé de porter l'insigne avec la croix gammée sur son avion et sur sa casquette de vol. Et donc ça, c'était un sujet génial pour un personnage. Et pour l'autre, en fait, on s'est basé sur des pilotes, des escadrilles de pilotes de femmes russes pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, les Russes, quand ils ont vu que ça commençait à chauffer et que la guerre n'était pas forcément gagnée, ils ont mis toutes les forces dans la bataille, et même des femmes qui étaient pilotes, qui volaient dans des aéroclubs, ou des pilotes de voltige, des pilotes de record. Donc elles étaient extrêmement connues. Pour nous, c'est... Enfin, pour mon scénariste, c'est du pain béni. Quoi. Des femmes pilotes. En plus, ça nous permet d'avoir un personnage féminin avec extrêmement de caractère, puisque on se doute bien qu'à l'époque, ça ne devait pas être courir les rues, donc ça devait avoir forcément du caractère. Là, on a vraiment une femme qui est à peu près l'égale de son rival.